Bien particulière sous les fenêtres de la mairie de Saint-Pierre-des-Corps. Aubades mécaniques jouées par d'étranges machines qui ont vu le jour en un an dans des ateliers à l'université de Tours sous la direction de François Delarosière, inventeur de machines pour la compagnie nantaise Royal de Luxe. On a créé des espèces d'équipes un peu mixtes entre musiciens, constructeurs et ce mélange a permis de fabriquer une quinzaine de machines de taille assez importante qui produisent divers sons, on va dire. 13 machines atypiques et uniques nées de matériaux de récupération et aux noms imagés, comme par exemple cette bassineuse. Je prends pas des bains très souvent, mais la dernière fois que j'en ai pris un, j'ai senti un frottement très sonore, comme ça, qui m'a donné l'idée d'utiliser cette baignoire pour en faire un instrument, ou du moins un objet sonore. Avec les machines viennent les sons, et pour les dompter à la baguette, c'est le compositeur musicien Mino Malan qui s'est essayé à une écriture bien particulière. C'est très frais, c'est-à-dire que les machines, je les connais pas vraiment. Parce que normalement, une machine, elle commence à émettre un son, à naître, on va dire. Après, il faut qu'elle grandisse et après, on peut la jouer. C'est exactement à l'image d'un instrument. On a des bases de morceaux. Nous, les musiciens, on a travaillé séparément en groupe. Et là, depuis 2 jours qu'on est avec les machines. Donc, on essaie de les incorporer à nos chansons. Donc, des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Voilà. Et puisqu'à chaque représentation, ça part de création, une mélodie unique pourrait bientôt s'inviter sous vos fenêtres.